je vais m'occuper de vous. Parce que j'ai un programme à moi. Parce que, pourquoi? Pas parce que vous venez de l'Europe que vous devez être une priorité. Non. Parce que je sais ce qu'on appelle voyager. Il y a le billet d'avion. Quand vous voyagez, vous avez un billet d'avion et c'est limité au séjour. Il faut rentrer en contact avec moi. Je vous donnerai moi-même de vivre voir mon programme. Le secrétaire ne peut pas vous donner mon programme. Parce que moi, non seulement ça, j'ai ma vie privée. J'aime aussi mon programme. Et le fait que maîtriser le programme, le prophète vient tel jour. Il ne maîtrise pas, c'est un choc qu'il ne maîtrise pas. Donc j'ai laissé des instructions au secrétariat pour que ceux qui viennent ici soient déjà en contact avec moi. Pour que eux et moi, on échange. Parce que vous êtes à l'Europe. Pourquoi? Parce que moi, j'aimerais que vous veniez investir en Afrique. Pas à Divo. L'Afrique, c'est chez vous. Que ce soit chez les BT, que ce soit chez le Gourou, que ce soit à l'Ouest. Mais l'Afrique, c'est chez vous. Pour moi, ici même en Côte d'Ivoire, si vous êtes ivoirien, vous voulez que vous venez investir. Mais soyez en contact avec moi. Je vous présenterai mon carnet. Moi, j'ai mon agenda que j'ai en semaine. Et je l'ai toujours dit, j'ai eu plus de 10 vidéos où j'ai communiqué là-dessus. Donc, quand une personne revient, qui vient, qui dit, elle vient de l'Europe, moi, ça ne me dit rien. Parce que moi, l'Europe, écoutez, ça ne me dit rien. Quand vous venez chez le président de la République, vous venez chez l'ONU, ça ne me dira rien. Est-ce que vous êtes entré en contact avec nous? Non, sinon, vous alliez tous les programmes. Parce que si vous voulez que nous allons très loin, c'est il faut que vous aidez à organiser le ministère. Au départ, on était vraiment désordonné. On ne savait pas qui prend, qui fait quoi. Nous avons cette année 2015, grâce de Dieu, à commencer à s'organiser. À commencer à vraiment s'organiser. Et nous voulons quand même respecter certaines choses. C'est vrai qu'il y a une représentation maintenant en Allemagne, où la dame qu'on appelle Maman Normie qui gère. Non, au fait, je ne sais pas. Mais je me dis, quand vous venez en Côte d'Ivoire, c'est que ce n'est pas forcément Maman Normie qui doit vous recommander ici. Mais pour ceux qui doivent venir en Côte d'Ivoire, vous appelez le secrétariat, exigez que le prophète entre en contact avec vous. Je souligne ça. C'est-à-dire, si vous ne rentrez pas en contact avec moi, c'est que vous aurez des problèmes. Si vous n'êtes pas rentré en contact avec vous, c'est que c'est un problème. Donc, exigez. Donc, moi, je leur ai donné une instruction. Je leur ai donné des instructions. J'ai chassé déjà des gens. Je vous informe qu'il y a des personnes qui ne sont plus dans le secrétariat parce qu'ils sont puissants. Ils ne font pas mon travail. Ils se lèvent matin, ils font ce qu'ils veulent faire. Or, une organisation, il y a un leader. Si toi, tu te lèves matin, tu manges, tu prends ton caraba ou ton pain sucré, tu viens au bureau ici, que tu fais ce que tu veux, que moi, je constate que ce n'est pas ce que tu veux que tu fais. Je dois me séparer de toi. Bon, j'ai déjà débarrassé beaucoup de gens. La nouvelle année, là, il y a déjà deux personnes qui sont déjà parties du secrétariat. Non, c'est une nouvelle équipe que j'ai engagée. En les engageant, je leur ai expliqué moi, ma manière de fonctionner. Je ne suis pas ici pour m'amuser. Si on serait aujourd'hui en train peut-être voyager en deux avions, je suis là pour aider les gens. Donc, vous venez là. La priorité, parce que tu viens d'Europe, je sais que vous n'avez pas l'argent. Vous faites une malin, on vient de France, vous n'avez pas l'argent. Non, je connais ça. Vous n'avez pas l'argent. Non, vous n'avez pas l'argent, je viens des frères, je viens. Vous n'avez pas l'argent. L'argent, vous n'avez pas ça. Comment vous n'avez pas l'argent? Donc, nous, c'est une manière de vous aider. On peut vous aider véritablement. Vous aider parce que pour nous, c'est vraiment important de vous apporter une assistance. Or, si vous ne rentrez pas en contact avec moi, vous avez des problèmes. Ça, je vous dis la vérité. Celui qui va venir, qui n'est pas, si je te dis, ok. Et puis, quand je vais t'appeler, je te dis, allons sur le Skype. Je vais t'expliquer tranquillement, va comme ça, fais comme ça, comme ça, comme ça. Il y a des gens qui m'ont eu facilement. Parce qu'ils sont rentrés dans mon groupe. Ils ont fait ce qu'il fallait faire. Et puis tranquillement, on les a vraiment aidés. Amen. Amen. Aidez-nous à nous organiser. Vous savez que ce n'est pas facile d'organiser une vie humaine. Il n'est pas vraiment facile d'organiser. Moi, je suis avec les gens. J'aurais dit, le jour où vous ne comprenez pas moi, ma vision, je ne sais pas. Parce que ce n'est pas vous qui travaillez. C'est moi, mon travail, que Dieu a confié. Or, Jésus a eu 12 disciples. Qui sont venus l'aider dans le ministère. Vous venez m'aider, pas, je ne mange pas sans envoyer ma pensée. Si j'ai besoin de toi maintenant, tu te dépêches. Parce qu'ici, les gens sont payés. Il y a des gens qui ont leur argent. Je vous dis, je vais faire un effort pour qu'ils soient payés. Sinon, aujourd'hui, là, j'ai une église. Il y a des gens qui ont déjà plus de 200 personnes au Canada qui m'emmerdent de venir m'installer au Canada. Ils sont prêts. Je leur ai dit, vous voulez m'emmerder pour aller au Canada? L'argent, là, donnez ça. Nous, on va aider les gens. Mais c'est vrai. Moi, je suis en Afrique. J'aime que l'Afrique se développe. C'est pas une question d'aller au Canada. Non. Parce que j'évite même le système canadien. Pourquoi? Parce que les gens, vous qui avez tous les grands diplômes, venez au Canada, votre travail. Et chez vous, il n'y a pas de chômage. Il y a des chômages chez vous. Quand j'étudie même au Canada, il y a des chômages, il y a des couches. Or, les gens viennent maintenir les vrais balais africains.
nous qui avons des grains du pont, nous maintenir quelque part, nous donner du beurre, et puis on va oublier l'Afrique. Donc si vous rentrez dans le système, je dis, l'Afrique a besoin de nous. Et si on a un ministère, si je suis un Africain, que Dieu m'utilise pour soigner et guérir les gens, voilà, je pourrais faire ça, délivrer les gens. C'est que Dieu aimerait que, en tant qu'Africain, je commence par l'Afrique. Et puis moi, je demeure en Afrique. J'aime que je sois d'Afrique. Voilà, c'est mieux. C'est ici, on a les mangettes là. Il y a des gens qui font les brochettes. Pour moi, les reins, qui braisent. Oui, la braiseuse. C'est la braise. Ou bien. Il faut aider les gens. Il faut aider véritablement les gens. Donc, si vous voulez venir au niveau de l'Afrique, moi, ce n'est pas mon problème. C'est de vous aider. Mais on va essayer de voir ensemble le programme et puis bien s'organiser. Ouais, au départ, vraiment, on gérait. Et en même temps, la Côte d'Ivoire, quand je parle de la Côte d'Ivoire, même à l'Afrique, en même temps l'Europe, il y a aussi l'Asie. Nous sommes terriblement suivis, mais en Russie, terriblement suivis. Il y a beaucoup de vues en Russie. Tchèque, Tchèque, il y a beaucoup de secteurs où on est beaucoup suivis. L'Asie, nous sommes tellement suivis en Asie. Le Japon nous suit. Aujourd'hui, on a beaucoup, même les Arabes. Émirats arabes, Arabes Unis, Arabie Saoudite, les gens nous suivent partout dans le monde. Du coup, 168 pays nous suivent dans le monde. Et quand vous voulez vous déplacer, pourquoi? Parce que là-bas, ils ont plus accès à Internet que chez nous. Or, la Côte d'Ivoire, nous avons, quand vous voyez le nombre de vues, c'est 34 000 vues. La France, demande à 60 000 vues. Nous sentons des grands besoins, mais avant de venir en Côte d'Ivoire, prenez le temps de communiquer avec nous. Je sais que je suis l'homme le plus combattu de la planète Terre à l'essence. Parce que maintenant, mon message, ça passe. Et ça va très loin. C'est pas l'Internet, les gens suivent la sorcellerie, c'est pas amusement. Parce qu'on a su communiquer là-dessus. Donc aujourd'hui, même les francs-maçons ont commencé à me combattre. Si vous voyez que les journalistes, les gens sont rentrés dedans, là, c'est les francs-maçons. Il y a des restes, il y a des sectes, il y a des choses qu'on commence à me combattre. Moi, je suis prêt. Bah, il sait que je peux détruire quelqu'un. Amen. Amen. Un élément dangereux pour moi. Je suis convaincu. Mon cœur n'est pas fait pour tuer quelqu'un. Mais si je sais que tu es un élément dangereux pour moi, j'ai 3 jours pour t'éliminer. Amen. J'ai les actions pour les plus dangereuses de la planète Terre. Et Satan connaît ça. Quand j'utilise ça, tu es obligé d'aller sur la Terre. Amen. Mon cœur n'est pas fait pour gâter. Amen. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a un ouragan qui mange son sauce arachide. Il est où? Il mange son arachide. Vous voyez qu'il est toujours exclu des milieux chrétiens. Vous n'avez pas remarqué? Tout ce qui est chrétien, ça l'intéresse pas. Il est toujours exclu. Amen. Voilà, donc que Dieu bénisse. Aujourd'hui n'est pas mon jour de réception. J'ai 2 jours off. Mais j'aurai l'occasion de vous recevoir quelques-uns, bien sûr. Ceux que je dois libérer, je vais les libérer. Ceux que je dois écouter, je vais les écouter. Voilà, donc vous allez me donner une petite pause. Je vais aller faire ma séquence clip. Parce que ceux-là, ils m'emmerdent du camp fatigué. Je dors, je me réveille, voyez, téléphone brûle. Je dois faire une séquence. Je leur ai dit, le clip qu'on vient de faire là, c'est très dangereux. On dit agua gounion, ça veut dire attache au diable. Ça fait déjà combien de mois? Au moins 3 semaines. 3 semaines, oui. On attend, on n'a pas de bouquet. Donc on va boucler ça tout à l'heure. Et puis je vais revenir. Il y a des gens qui sont venus, qui sont dans le secret, qui sont en train de faire des recherches en matière de sorcellerie, qui sont en train de préparer une thèse. On voit leur licence. Ils sont en train de préparer une thèse en sorcellerie. Donc ils sont quelque part, ils sont quand même. Donc il y a beaucoup d'étrangers qui sont là. Ils sont en train de... Mais je reviendrai tout à l'heure, après ma séquence clip. Je m'en viens. Tu as envoyé tes affaires là. Viens. Voilà, c'est notre soeur, elle vient de la France. Elle a pris quand même le temps de connaître... J'ai très bien fait. C'est qui, qu'est-ce que tu, qui est tu qui a quand même ta femme là, qui s'est dit, elle dit, j'aime la femme là. Ah oui, la voilà. Elle me demande, Patrick, j'ai dit, mais moi, j'ai fait quoi? Je lui ai dit ça la dernière fois, non? J'ai dit, j'ai fait quoi, Patrick? Alors qu'elle m'aime, elle a Patrick. Voilà, donc, elle a décidé de vous aider. J'ai dit, mais non, il ne faudrait pas que ça vienne de moi. C'est encore plus vivant quand c'est elle-même qui donne aux gens et tout ça. Je vois en elle. Tu sais, vous voyez, moi, j'ai un don de vision très grave. Je sais qu'il y a moi qui n'est pas moi. Mais comme eux, le diable est rusé. Moi, j'utilise beaucoup de ruses. Non, d'intelligence, si vous voulez. Je ne pas ruse parce que la ruse, la fin, c'est la destruction. Donc, il y a des gens qui viennent devant moi, qui sont. Moi, je sais ce que je fais.
Je suis très, 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 très intelligent, très prudent. Mais en même temps, mon cœur qui est là, Dieu ne l'a pas fabriqué pour tuer quelqu'un. Non. La preuve, que j'ai des gens. Mais le jour où je constate que toi, tu es un élément dangereux pour ma vie, que si je ne t'ai pas éliminé, ce n'est pas bon pour moi, je te tue. Ce n'est pas un fusil. Avec le pouvoir mystique. C'est ce que vous voulez entendre. Je dis aujourd'hui, j'ai ça. Le mystique, c'est spirituel. Quand je parle de mystique, c'est le spirituel. J'ai ça. Je peux prononcer ton nom pendant 3 jours puis de te détruire. J'ai ce pouvoir-là. Ce n'est pas de l'amusement. Amen. Amen. Voilà, donc que Dieu bénisse. Amen. Ici, c'est la brigade. Un jour, on a connu anti-mangeur d'âme. Elle a pigé ça. Maintenant, on ne dit pas anti-sorcier. Non. Anti-mangeur d'âme. Là, c'est sérieux. Quand on dit mangeur d'âme, dans ma âme. Maintenant, on va essayer de bien expliquer. Amen. Bien expliquer la chose. Donc, que Dieu bénisse. Le combat, il n'est pas facile pour moi personnellement. Il n'est pas aussi facile pour mon entourage. Je vous ai toujours dit, moi je me bats pour que Dieu vous aide aussi dans ce ministère. C'est ce que je suis en train de faire. Il faudrait qu'on ait assez de moyens pour qu'on puisse vous aider, pour que vous puissiez vous en sortir. Parce que si vous n'avez pas de l'argent, ce sera difficile pour vous de. Vous allez peut-être faire des conneries. Mais pour dire qu'on pense à vous, ce n'est pas grand ce qu'elle a envoyé, c'est des gestes. C'est ça, tu m'avais déjà dit. Elle est psychologue, c'est ça, non? Elle est psychologue, donc elle connaît des gens. C'était très important pour moi d'embalancer un élément de Dieu pour dire telle personne a pointu, telle personne. Les gens ne savent pas que le fait même que le prophète même poste une vidéo sur Internet, il paye l'Internet. C'est que les gens ne savent pas et ils se plaignent. Nous, on paye l'Internet. Tout l'Internet, ils avaient 65 000 francs de chez moi. Tu dois recevoir les gens chez moi. Je paye Internet. Et le bébé, là, s'il vous plaît, donnez les seins. J'ai dit aux gens, aujourd'hui vous plaignez, on dit de venir en Côte d'Ivoire, il n'y a pas l'argent. Maintenant on dit qu'il y a quelqu'un qui s'occupe des huiles en Europe et ça vous énerve. J'explique. Ça veut dire quoi? Quand vous allez venir même en Côte d'Ivoire, on va vous demander le bouteille d'huile. Moi, si j'ai parlé à toi à Internet, sur le Skype, je vais te demander forcément de prendre de l'huile. Or, il faut prendre le billet d'avion, si tu es délivré, pour venir à Abidjan. 2 heures de route. Si tu as une voiture, Roro, c'est 2h30, venir à Divo. Et quand tu as Divo, il faut te loger, il faut manger. C'est trop, c'est de l'argent et c'est trop. Donc on a eu l'occasion de penser à aider des gens qui sont un peu loin et qui aimeraient être délivrés. Donc ça fait maintenant 1 mois que j'ai délivré les gens sur le Skype. Et ça marche, ça va. Par contre, il y a des gens, comme on sait bien, ils aiment bien se plaindre parce que eux, ils ne sont pas dans la chose. Or, quand tu te trouves dans la chose, tu aimerais aider la chose. Donc, on a décidé d'aider les gens pour dire à la sœur qui s'occupe de ça en Allemagne, qui s'appelle Maman Naomi, c'est elle qui gère les bouteilles d'huile. Or, il faut 3 sciences. On vous demande 3 bouteilles. Vous vous plaignez. Les gens se plaignent pour ça. J'aurais dit, mais quand je vais prendre ce. Vous voulez quoi? Être délivré? Vous voulez causer moi? Moi, je ne suis pas sur le Skype pour causer vous. Je suis là sur le Skype pour vous délivrer. Qu'est-ce que vous voulez? Causer moi? Non. C'est ça que quand vous regardez ceux qui regardent ma vidéo, ma photo sur le Skype, je suis doublé bizarre, façon André. Gagamou. Oui. Et vous dites que non, le monsieur qui est derrière là, c'est pas pour venir jouer lui. Vous comprenez? Donc, c'est un peu sérieux ce que je m'entends de faire. Maintenant, si tu es farché, tu prends ton avion, tu viens. C'est ce qu'on dit aux gens. Oui, mais tu as fait sans me dire. Ah, toi, tu as fait sans me dire. Donc, moi, je ne vois pas comme tu es comme moi. Non, papa, j'ai appelé l'Allemagne. Elle m'a dit, papa va voir. Moi, j'ai dit 19. Elle dit, non, 19 là, papa, c'est pas sûr que tu l'as là-bas. J'ai dit, tu lui as demandé, tu as exigé que tu m'as pris sur le Skype. Puisque mon Skype, ça il est. Pas, papa, non, mon Skype, on envoie testo. Mon Skype, il t'a su jusqu'à aujourd'hui. Tous ceux qui envoient les démons de Skype, je valide. Ça n'a pas été. Non. Ça, je peux te reprocher. Moi, j'aime bien poser sur le Skype. Comme ça, on se voit. J'ai l'occasion de te connaître. Quand tu dis ça n'a pas été, c'est que tu n'as pas donné mon adresse. Parce que moi, j'ai donné. Si les vidéos, la preuve, c'est que je n'ai pas caché. Même si les vidéos que vous avez l'habitude de lire, il y a mon compte Skype. Donc, c'est plus caché. Même si les vidéos, toutes les vidéos, vous allez voir mon compte Skype. Vous prenez le compte Skype, ou vous m'envoyez une demande, toutes les demandes que vous m'envoyez. Voilà, c'est peut-être que tu n'as pas fait. Hein, tu n'as pas fait. Donc, c'est pour ça qu'on s'appelle sur le Skype. Oh, quand tu me fais. Parce que moi, tous les matins, je regarde. Oh, j'ai des rendez-vous. Au départ, on était vraiment désordonné. Et ça merdait tout le monde parce qu'on ne reçoit pas des gens. Ça, c'est normal. Il faut que je le dise.
Parce qu'on ne peut pas s'occuper en même temps de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique. Ici, c'est petit pour ça. Il faut avoir des gens, des éléments, des gens formés pour ça. Ah, donc, on a commencé à s'organiser. Et le fait, depuis que je suis en Allemagne, ça a commencé à marcher. Que la sœur a commencé à gérer les choses, ça a commencé à marcher parce qu'elle a commencé à bien suivre la chose. Et ça va. Et c'est ça. Nous voulons un peu la perfection dans le travail que nous sommes en train de faire. Mais c'est à vous de nous aider. Quand j'ai dit aux gens, vous devez venir. Elle, elle, quand elle voulait venir, on s'est eu au téléphone. On a bien organisé son voyage. Il y a une autre soeur qui est venue aussi, on a très bien organisé son voyage. Lui aussi, quand elle est venue l'appeler, je savais qu'il venait, donc il n'y a pas de problème. Donc, quand vous voulez venir en Côte d'Ivoire, prenez le temps d'aviser les gens. Il y a une soeur qui a dit d'aller au Cameroun. Mais en même temps, elle ne communiquait pas bien, c'est ça. Je t'ai oublié de la mettre en contact avec certaines personnes. Aujourd'hui, ça va très bien dans sa tête. J'ai commencé à organiser ça. Donc, on serait très bientôt au Cameroun pour la délivrance de sa famille. Et des Yaoundé, tout ça, on est en train d'organiser ça. On dit ils ne sont pas contre les gens. Voilà. Aujourd'hui, c'est mon jour de repos. Vous m'avez vu hier prêcher. Ça fait combien de jours? Vous n'avez pas pitié de moi. Ça dit vous-même là, vraiment. Je vois qu'il m'assoit, il dit, mais est-ce que ce peuple là même sait au moins que je suis quand même quelqu'un, un être humain? Il reste à la maison. Oh, si je dois avoir la force, c'est pour qu'il me laisse pour dormir. Hein? Pour qu'il me laisse pour dormir. J'ai envoyé les cadeaux là. Oui, c'est pas beaucoup de choses. Hein. C'est pas beaucoup, c'est un produit symbolique. Oui, c'est vraiment symbolique. Donc, si tu as eu un petit chocolat, c'est bon. Oh, Zadie n'aime pas chocolat. Non. 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 Sylvie. Ah, ça allait sûrement, Sylvie. Non. C'est elle qui m'a marqué tout à l'heure. Sinon, j'aime tout le monde. Non. Après, c'est qui t'en avait écrit là, tu sais. Envoie-moi la valise. Envoie-moi la valise. Va prendre. Mais c'est qui t'en avait fait là. Moi-même, la nuit, je combats ça déjà. C'est pas marqué où de où régler vos problèmes. C'est ça de m'a dit là. C'est ce qui est fait. Où vient? Là, t'es venu quand tu es moi, il connaît ma bouteille, il a dit, c'est ce qu'il m'a dit là. Chacun pourrait essayer qu'à partir. Non, en fait, c'est des choses déjà comprises, c'est des vêtements. Voilà, non, c'est ici là. Non, en fait, janvier, ça. Bien, monsieur, il dit, c'est vous. C'est pas sport, il dit sport là. Non, en fait, janvier. Tu es sapé du fait vacances. Je vais vous porter là, nous faisons janvier avec ça. Et puis des pantalons, nous on porte plus de pantalons parce qu'il fait froid là-bas. Donc je pense que ça va être ça aussi. Isabelle, vous avez C'est qu'on va faire. C'est qu'en caméra, elle va se mettre à côté et puis vous aider. Parce que c'est la stress elle-même. Je la sens beaucoup stressée. Or, il faudrait penser à nous. Et je ne suis pas la seule personne. Souvent, les gens voient le prophète tant. Mais il y a des éléments aussi. Il y a des gens qui soutiennent le prophète dans le ministère. Et ceux-là, par contre, il ne faudrait pas qu'on les oublie. Les gens, quand ils viennent le prophète, ils doivent avoir un cadeau pour le prophète. OK. Mais il y a des gens qu'on ne doit pas oublier dans mon ministère. Ils font partie de mon ministère, ils font partie, une partie de moi. Donc, on pense à eux, moi, ça me réjouit. Amen. Moi, ils m'ont cherché l'argent pour vous. Et ça, il y a qui vous dit ça. Amen. Moi, l'argent, c'est un problème pour vous. Donnez l'argent à quelqu'un. Or, si je viens, il faut que chacun ait l'argent. Amen. Je suis en train de causer, même avec elle, j'échange. J'ai dit, tu as vu, elle a vu, j'ai dit, tu as vu. Nous, on a besoin des moyens. Si l'argent est là. La soeur qui a fini de prêcher, elle veut un peu d'intercéder. Elle mange quoi? Voilà, donc il faut, elles sont venues là, il faut qu'elles soient contentes d'ailleurs. Prends le temps de vous écouter. Vos noms,
Comme ça, elles vont gérer ce volet-là. Moi, je ne suis plus dedans. Elles vont chercher les moyens pour pouvoir vous aider. Or, moi, je veux avoir une église où, quand les gens viennent, on les délivre, on leur donne les moyens pour se développer. Je ne sais pas. Non, moi, il y a une autre manière de voir l'église. L'église, ce n'est pas celle qui doit demander aux gens. L'église doit donner aussi aux gens. Moi, c'est ma vision des choses. Pourquoi? Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Or, quand on est dans une église, c'est la solution de tous les problèmes. Ce n'est pas un problème seulement spirituel. Et puis, le volet argent, c'est financier, c'est les fidèles qui doivent donner. Non, l'église résout tous les problèmes. Et c'est ce que j'en ai de faire avec ses soeurs. On a tellement de projets à réaliser. L'autre soeur, elle ne peut pas se présenter à vous parce qu'elle a une soeur, une autre soeur, elle est dans une autre communauté, elle a même fait des recherches en sorcellerie, tout ça. Elle n'a pas voulu se présenter physiquement aujourd'hui parce qu'elle a une bonne mission. Or, nous avons des le truc, elle a pris en compte cette histoire de Zaroko. Parce qu'elle a son domaine, elle a une branche. Donc, d'ici ce soir ou demain matin, on ira voir Zaroko. Comment aider? Elle s'occupe spécialement de ce qu'on appelle les cantines au niveau de l'Afrique. Comment nourrir les enfants africains? Elle, c'est sa spécialité. Elle est avec nous. Or, les gens, l'Afrique a besoin de ça. Et des personnes sont venues vers nous. Il faudrait que nous les aidions à pouvoir nous les amener à aider l'Afrique. C'est ça. Moi, je suis trop panafricain dans la tête. Ça ne veut pas dire que je suis politicien. Hein? Panafricain, ça ne veut pas dire vos histoires de temps, je t'entends. Non. Panafricain, ça veut dire que j'aime beaucoup l'Afrique. Voilà. Donc, les problèmes d'Afrique, ça m'intéresse. Ça ne veut pas dire que je suis dans ton parti politique ou tu es comme ça, tu es comme ça. Non. Moi, celui qui développe un pays, je suis avec lui. Parce que lui qui parle beaucoup. Amen. Amen. Voilà. Donc, on est ensemble. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, tout à l'heure. Faut te sortir. Tu regardes, mais faut bien parler à mes filles, à mes enfants et tout ça. D'accord. Que Dieu bénisse. J'aurai l'occasion de. Permettez-moi tout à l'heure après la vidéo d'aller finir la séquence, sinon je serai emmerdé. Et doit partir à Abidjan. Voilà. Partir à Abidjan. Et puis je reviens encore ici pour m'occuper de vous. Parce que moi, de mercredi, il m'a allumé. Il va attraper sorcier à Lomé. Oui, il faut qu'on attrape les sorciers togolais. Notre affaire, la Satou, tu as commencé à prendre Togo. Il faut qu'on parte à Lomé pour organiser certaines choses. J'ai prié le président, on va organiser certaines choses. Puis à la longue, les enfants nous iront faire des veillées là-bas. On va trouver des salles où on va inviter un pasteur pour aller faire des veillées. Si je ne suis pas là, on va constamment faire des veillées. D'ici Côte d'Ivoire, ça fait une heure en vol. C'est pas long. En vol, c'est une heure du temps. Une heure, 10 minutes, je vais déjà à Lomé. Tu peux faire un programme d'ici 3 jours et puis revenir à l'aller-retour. Donc c'est important qu'on puisse en mettre, parce que Lomé souffre. Et une autre famille m'a invité à Lomé pour la délivrance de Lomé. Amen. Amen. Voilà, donc que Dieu bénisse. Bien. Tandis, ça va? Ça va?